Salut tout le monde, aujourd'hui c'est samedi, l'onzième de juin de cette année 2022. D'après la nouvelle présentée dans le site web de CNBC.com, on vient d'en reparler de ce que voudrait vous annoncer la nation des États-Unis envers tous les voyageurs qui voudraient voyager aux États-Unis en avion. En parlant de cette matière, il faut d'abord se rappeler que étant donné l'étendue du virus corona à l'échelle mondiale, le gouvernement de la nation des États-Unis s'est mis à imposer un mandat concernant cette matière à tous les voyageurs qui voudraient voyager aux États-Unis en avion depuis l'année 2021. C'est-à-dire, depuis l'année 2021, le gouvernement de la nation des États-Unis a demandé à tous les voyageurs qui voudraient voyager aux États-Unis en avion de faire preuve de leur résultat négatif provenant des tests de virus corona obtenus pendant un jour avant leur départ pour voyager aux États-Unis en avion. Ce mandat a traîné à sa suite des impacts déplaisants pour les compagnies aériennes des États-Unis, celles qui ont souffert d'un manque de voyageurs pour leur commerce aérien dans la nation des États-Unis, aboutissant à procurer des impacts déplaisants pour l'économie dans la nation des États-Unis en général. C'est pour ça qu'en parlant de cette matière, d'après la nouvelle la plus récente comme présentée dans le site web de CNBC.com, on me dit que le cabinet du président Joe Biden des États-Unis a bien éprouvé un besoin pour la mise à jour destinée à cette matière. C'est-à-dire, d'après la nouvelle, on dit que à partir de demain, dimanche, le 12e de juin de cette année 2022, il ne se trouvera plus une existence de ce mandat concernant avoir le résultat négatif provenant d'un test de virus corona afin d'être qualifié pour voyager aux États-Unis en avion.